Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, nous sommes jeudi 14. Il doit être pas loin de 5h15, à mon avis. Un truc comme ça. Comme je l'avais prévu hier, je ne vous ai pas pris. Je vous ai pris juste au matin pour clôturer le premier vlog qui a été posté hier. Alors, normalement, il devait être posté dans l'après-midi. Mais il a mis une éternité à se poster et du coup au lieu de se poster l'après-midi, il s'est posté au soir. Voilà, j'ai attendu, ça a mis des heures et le problème c'est que je vais quand même faire ma vie donc j'ai plus vraiment prêté attention au fait que la vidéo se poste en fait. C'est-à-dire que je suis pas restée sur l'application de YouTube pour vérifier si ça se postait. J'ai fait ma vie, donc j'ai fait les ongles d'une amie. Je vous mettrai une photo quelque part. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, sur les gens, j'ai du mal à faire les photos. Donc il faudrait que je trouve comment faire des photos des ongles quand je fais sur les gens. C'est-à-dire que sur moi, je sais comment je dois me mettre, mais sur les autres, c'est plus compliqué. J'ai refait cet ongle-là parce que je ne sais pas pourquoi la première que j'ai vernis. Et la finition s'en allait, donc j'ai un petit peu relimé et j'ai remis de la couleur. Donc voilà, l'ami que j'ai fait, elle a mis la couleur Midnight Ocean de chez Indigo. Donc c'est un bleu un petit peu mauve qui tire plus vers le mauve que le bleu. Donc voilà, j'ai été. Monsieur a été mettre les cartes au syndicat, il a fait quelques courses, il a fait la razza en viande parce qu'on avait plus rien, et quand on avait été en France, on avait trouvé que la viande était quand même plus chère, enfin, était fort chère par rapport aux intermarchés en Belgique. Pardon, donc voilà. Il a pris du poulet, mais on avait déjà pris des côtes de porc et tout ce qui est porc en France, donc évidemment, il a pas repris. Là, il a pris plus du poulet, je crois. Et hier soir, on a mangé des crêpes toutes faites, là, des crêpes au jambon fromage. Ma foi, elles étaient bonnes et je trouve en fait que le ratio, que, en fait, c'est vraiment pas cher pour un repas parce qu'on en mange 4 par personne. Donc ça fait presque 80 cents le repas par personne. Donc voilà. Et franchement, j'ai pas eu faim pendant la nuit. Donc voilà. Non, j'ai pas eu faim pendant la nuit. Donc je trouve que c'est très bien. Donc hier j'ai utilisé l'après, je passe du coq à l'âne, hein, que je vois mes cheveux, je vois comment ils sont et je trouve qu'ils sont tellement doux et tellement j'adore. J'ai utilisé le Pink Paradise des Secrets de Loli. Je le trouve très bien. Je vous avais dit que je testerais en tenant mon téléphone horizontal. Je passe vraiment du coq à l'âne, mon Dieu. En fait, ça fait une meilleure qualité. J'arrive à faire le format 16-9, donc c'est top. Donc voilà, donc on voit le début de la vidéo où je suis toujours toute petite et l'autre. Comment? Je ne sais plus ce que je vais dire. Et l'autre. L'autre quoi? L'autre format, donc on voit vraiment la différence. Je vois le format qui convient. Je suis contente. J'ai mis un petit peu de temps pour le poster, mais en fait, ça a été relativement vite. J'ai fait quelques coupures, j'ai fait des accélérés parce que vous n'avez pas vraiment besoin de voir ma routine hyper fort. Ouais. J'ai essayé de faire attention que quand je montre les produits, ce ne soit pas en accéléré. Donc voilà. Donc comme vous l'aurez vu dans le précédent vlog, mon PC est donc foutu. Donc à mon avis, je vais le jeter et m'en racheter un autre, j'ai pas trop le choix. Alors j'hésite encore à entreprendre un MacBook. Ou alors prendre directement. Ou alors prendre plutôt pas directement. Prendre un iPad et le transformer en PC. Donc voilà. Parce que pour l'imprimante, ben, j'en ai pas tellement besoin. J'ai pas vraiment besoin d'un PC vu qu'elle fonctionnait avec le Wi-Fi. Ouais, il faudrait que je trouve un MacBook Pro, un iPad Pro. Mais ils sont tellement. Ils font chercher dans les 1000 euros. C'est chiant.
Enfin bref, c'est pas grave. Faut que je regarde sur comment ça s'appelle Black non. MediaMarkt. MediaMarkt. Enfin bref, vous aurez compris. Donc voilà, aujourd'hui, quoi de prévu du rangement et du nettoyage. Je dois filmer la vidéo parce que hier j'ai reçu la My Little Box. Alors je me suis spoilée et j'étais trop happy. Parce qu'il y a, en fait, je pensais être hyper déçue de la box. Parce qu'il y avait deux produits que j'avais déjà. Et en fait, sur les deux, j'en ai que un. Bah, de toute façon, le temps que je mette ce vlog, la vidéo sera postée. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est un produit que je sais que je n'utiliserai pas. Parce que de toute façon, je ne l'ai pas aimé. Donc, c'est sûr que je ne l'utiliserai pas. Donc, il se retrouvera en concours. Hein. Je prends toujours plusieurs éléments des My Little Box. Et je les mets en concours sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram. Et de toute façon, je vous mets toujours en barre d'infos avec mes réseaux. Donc, voilà. Donc, hier, j'étais faire les ongles. Monsieur a voulu aller voir pour changer d'abonnement parce qu'on est chez Scarlett. Mais Scarlett n'allait jamais chez eux parce que c'est des gros arnaqueurs. Parce qu'ils ont quand même réussi à me facturer 30 euros de supplément d'abonnement pour le téléphone. Soi-disant, parce qu'on a dépassé, monsieur a dépassé de la giga. Je dis à monsieur qui a quand même. Oui, il avait combien de gigas? Je pense qu'il est à 25 gigas. Et il me dit c'est impossible. Enfin, si. Il me dit c'est possible que j'ai dépassé d'un peu, mais pas de 30 gigas, c'est pas possible. De 60 gigas, pardon. C'est impossible. Et puis il me dit 50 cents par giga, c'est énorme. Et je dis bah oui, mais moi je paye que 20 cents par giga dépassé. Donc il va aller chez Orange, il va prendre son abonnement à son nom, évidemment. Et on va aller voir chez Proximus pour. La télé et l'internet, il paraît qu'il y a une offre où on paierait que 45 euros par mois, ça me paraît louche, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, même si c'est un petit peu plus, c'est pas très grave, hein, de toute façon, bon, on en est. De toute façon, pendant l'été, je travaillerai plus normalement. Donc voilà. Ouais, donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Plus. Ben, je pense que j'allais rien dire d'autre. Je vais un peu me poser. J'ai pas encore faim, donc à mon avis, je vais juste boire un truc. Et voilà. Parce qu'après, si je déjeune tout le temps à cette heure-ci, je suis décalée par rapport au dîner et tout. Et j'ai décidé de manger vraiment quand j'avais vraiment faim. D'ailleurs, je suis vraiment étonnée parce que j'ai rien mangé d'autre à côté. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis trop happy. Donc voilà. Aujourd'hui au soir, monsieur va pêcher avec un de ses amis. Enfin bref, on s'en fout. Donc on verra comment ça se passe. Et voilà, c'est tout. Ah oui, il n'a pas pris sa veste parce qu'elle était mouillée. Donc je vais peut-être la laver sa veste. Non, mais s'il va à la pêche après avec et qu'il me la harcèle, ça va me dégoûter. Donc non, je vais rien avec lui. Je me suis endormie plus tôt et franchement ça m'a fait trop du bien. Enfin plus tôt, non en fait. Il était 21h30, je suis montée une dizaine de minutes, j'ai lu un petit peu de mon livre. Et enfin une double page. Ça m'endort facilement en fait les livres de lire donc. Moi j'ai pas besoin de prendre mélatonine, de somnifère ou que sais-je. C'est trop cool par contre. Il faudrait. Que je regarde parce que je devrais prendre des vitamines pour mon système immunitaire. Parce que depuis que j'habite dans les Ardennes, je suis souvent malade. Et d'habitude, je suis malade une fois par an. Là, j'étais malade 3 fois en même pas 4 mois. J'ai d'ailleurs dû m'en remettre. J'ai toujours une toux sèche. Donc voilà. Et j'ai entendu que c'était pas toujours bon de prendre du sirop pour la toux. Parce que quand on toussait, c'était pour dégager les microbes qu'on peut avoir. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser. J'ai déjà vu que le vlog avait déjà fait 8 vues en quelques heures. J'étais quand même contente, sachant que je n'ai fait aucune pub. Enfin, je l'ai posté nulle part d'autre. Donc, je suis assez contente. Donc, voilà.
Enfin bref, je mettrai de toute façon, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale, je vous mettrai le lien de cette chaîne-ci et vice-versa comme j'ai fait. Donc vous verrez dans la barre d'informations que ceux qui ont vu, vous l'avez vu, peut-être vu, j'en sais rien si les gens regardent la barre d'informations en fait. En fait, je me dis, si je fais je me casse la tête à faire une barre d'informations et que personne ne la regarde, en fait, c'est hyper énervant. Mais bon, tant pis. Donc voilà. En soi, je vais vous laisser. Ah, je vais boire mon Actimel. Oui, c'est frais, c'est très bien. Donc voilà. Je vais vous laisser et je vous reprendrai dans la journée. Donc voilà. Bisous. Bon, là, je vais me faire un petit déjeuner. Il est 6h25, c'est la bonne heure. Je prends un bol de lait. Je vais juste prendre du lait froid. Et, enfin, avec des sandwichs. J'en ai pas assez. Bon, je vais vous poser. Donc je vais. Pour finir, j'avais pas pris de lait. Mais c'est rien. Quand j'ai fait les courses, je le dirai. On a oublié de prendre du lait, c'est pas grave. Monsieur m'a pris des sandwichs de l'Intermarché. Ils étaient un petit peu moins chers, je pense que c'est ça qui m'a. Moi je l'ai connu pour les halls Temu. D'ailleurs, j'ai jamais testé Temu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé et si vous trouvez que c'est un site fiable parce que j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs comme quoi genre ils prélevaient de l'argent et tout. Et quoi, peut-être si je passe par Klarna, ils ne sauront pas le faire. Je sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé. Si oui ou non, vous avez eu des soucis et. Et voilà, du coup, je verrai en fonction. Vous voyez mes gros doigts, c'est magnifique. Je verrai en fonction si j'essaye ou pas. Mais j'aimerais, c'est vrai que j'aimerais bien essayer ce site-là. Hein. Quoique, j'aime pas le truc de l'application. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je veux dire par là qu'à choisir, je préfère encore prendre Shein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le teste. D'ailleurs, dites-moi. Pour ceux qui sont abonnés ou qui me suivent en tout cas sur ma chaîne principale, même si vous n'êtes pas abonné, mais vous regardez juste les vidéos de ma chaîne principale, si vous souhaitez voir donc sur ma chaîne principale un haul Temu, je peux bien prendre le risque pour vous, en tout cas pour mes abonnés de la chaîne principale, de commander et de faire un haul. Donc, voilà! D'ailleurs, que je pense à ça, j'ai encore un haul Shein à faire sur ma chaîne principale où c'est un peu tout. Donc voilà. La semaine prochaine, normalement, je vais faire une vidéo ongles. Sauf que ça ne fera pas 2 semaines que je fais mes ongles. Je verrai si j'ai beaucoup de repousses ou pas. À mon avis, comme là, j'ai pas de repousses. Ça m'étonnerait que j'ai des repousses. Donc, à mon avis, je vous ferai une présentation des produits que j'utilise pour le moment. Donc voilà, j'ai pas assez de produits pour faire des produits terminés pour les ongles. Donc voilà, parce que moi je sais pas vraiment les produits terminés de ce qui va être, vous voyez, skincare. Enfin, donc je mets d'un côté ce qui va être skincare, maquillage, gel douche. Je sais pas, ma produit d'entretien, faut pas exagérer. Mais et alors les produits spécialement pour les ongles. Donc voilà, je fais vraiment la différence. Donc voilà. Et je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc la dame, oui,
je m'écarte du sujet. Je la suis vraiment la truc pour les hauls et je viens voir qu'elle fait aussi des sortes de vlogs. J'adore faire des vlogs et j'adore les regarder surtout parce que la vie des gens m'intéresse beaucoup puisque je suis curieuse, voilà. On peut le dire, donc voilà. Donc là, je vais vite déjeuner. Évidemment, vous n'avez pas besoin de voir comment je déjeune. Hein. Je prends, voilà, je prends mon petit déjeuner. Donc voilà. Vraiment, sandwich choco Nutella et du lait. Parfait. Parce qu'après, j'en ai marre du cacao. Je suis quelqu'un, il faut que ça change. Hein. C'est comme pour tout. Hein. C'est comme mes sacs, souvent, il faut que ça change. Mais évidemment, il faudrait que je retrouve mes sacs pour pouvoir les changer. J'ai changé de sac, j'avais un pantou hier, mais je trouvais qu'il était dans un état, dans un piteux état. Mais ça faisait quand même quelques années que je l'avais acheté sur le marché, donc c'était pas trop le top quali. Donc voilà, des fois si vous voulez des sacs pas chers, vous pouvez aller évidemment sur Shein ou sur Temu pour ceux qui ont confiance. Mais sur les marchés aussi, au moins vous savez que vous l'avez déjà directement. Maintenant, ils vont vous le vendre peut-être à 20 balles. Donc voilà, à vos risques et périls. Donc voilà, enfin soit, je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard. Bisous. Bon ben, il est 9h30, oui, 9h30, 9h36 même. Je me suis rendormie, je me suis réveillée, enfin le facteur m'a réveillée. Mais c'est pas très grave parce qu'il avait un recommandé. Enfin bref, on s'en fout. Je dois filmer ma vidéo pour ma chaîne principale. Donc ce que je vais faire, c'est ma... Ma skin routine, maman, les commentaires. J'ai encore les traces du coussin. Parce que moi, c'est les coussins comme ça. Je pense que c'est des coussins. Et les où vous les trouvez sur. Enfin, chez Action, je pense. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, je vais faire ma skin routine avec vous, like usually. Il n'y a pas de produits qui ont changé, donc je ne vais pas commencer à détailler. Je vous le mettrai en accéléré. Donc, je vous le mettrai en accéléré. Et voilà. Pourquoi? Parce que je dois filmer ma vidéo après, puisque moi, j'attends toujours une demi-heure entre ma skin routine et mon maquillage. Comme ça, les produits ont bien le temps de d'entrer dans la peau. Je peux dire, c'est pas le bon terme, mais vous avez compris. Donc voilà, alors je sais pas si c'est la pire des bêtises ou si, enfin, si c'est un mythe ou si j'ai raison. Je vous avoue que j'ai fait un peu d'esthétique, mais j'ai jamais appris ça. Donc voilà, j'ai vu un jour une influenceuse, enfin une youtubeuse plutôt, qui disait ça. Je ne sais plus si c'est Marion Caméléon ou une autre. Je ne sais plus, c'est pas très grave. En tout cas, je vais faire ma skin routine et je vous la mettrai en accéléré. Donc voilà. Donc voilà. Il y a un trop beau soleil, regardez. Waouh! Est-ce que j'ai raison de vous montrer devant chez moi? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un trop beau soleil. Et voilà. Mais bon, on va y aller maintenant. Maintenant, on va y aller. En fait, je dois filmer ma vidéo sur les unboxing. Je sais pas si on... Moi, j'ai appelé ça comme ça. En tout cas, les vidéos sur les box style... comment... Style... ça ne va pas aller. Donc, on va quand même changer de coiffure, ma petite soso. Thank you.
ma morning routine. Donc voilà. J'ai fini ma morning routine, donc je vais un petit peu me poser. Putain, j'aime bien ce soleil, il est vraiment trop bien. D'ailleurs, quand il fera très beau, je vais pouvoir retomber. Parce qu'en fait, j'aime pas le jardinage, mais j'aime bien tondre, ne me demandez pas pourquoi. Mais j'aime encore bien tondre. De toute façon, c'est assez simple, hein, les trucs que je mets, les restes de pelouse, je les mets dans ma poubelle verte. Basta. Faut que je demande à monsieur si ça se met là-dedans. Je pense bien que oui, mais je dois demander pour être sûr. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma morning routine. Donc, voilà. Je vous laisse. Bisous. Bah là, on se retrouve. Je vais faire mon petit make-up. Je vais déjà aller mouiller mon éponge. Ce sera une bonne chose. De fait, ici, on est dans ma pièce. Pour ceux qui. Non. Pour ceux qui regardent ma chaîne principale. Et qui ont du coup déjà vu mes vidéos. Savent qu'on est donc dans ma. Dans ma. Dans ma. Comment ça s'appelle? Dans ma pièce. YouTube, je vais prendre une autre. Dans ma pièce YouTube, je vous propose 10 minutes. En fait, il faut que je fasse le nettoyage de mes pinceaux, mais j'ai tellement de choses à faire, si vous voulez, que je trouve pas le temps. Non, elle gonfle, elle. Ah, elle commence. Ah, on aime bien. Donc, hop, on va se préparer pour filmer la vidéo. J'adore filmer les vidéos. J'ai voyé de la lumière, mais j'ai l'impression que ça n'éclaire pas beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est sûrement que ça doit se concentrer. Allô, les. Alors ici, j'ai pas besoin de tout ça. Pouf, pouf, ça linge. Poubelle. Ok. Mon maquillage. Et le reste de mon maquillage aussi. J'ai tout là-dedans. J'ai des pinceaux intéressants. J'ai celui-là pour appliquer. Ok. Hop. Et voilà. Ce sera comme ça, mais le petit rond qu'il y a. Donc voilà. Donc je commence par mettre une base. La base, c'est la base de teint illuminatrice de chez Avril. Donc voilà, elle est comme ça. Alors, c'est une marque reconnue pour être bio, mais on va pas se mentir. Je ne suis pas une fervente du bio. Je viens seulement de remarquer qu'il y avait des petites nacres dedans. Ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise et je viens de le remarquer. Bah oui, le côté lumineux, c'est ça. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Hop. Hop. Sur mes yeux pour que ça fasse quand même base. Parce que je n'ai pas de base à paupières, mais vous allez voir que je vais mettre aussi autre chose qui va me servir de base de. Pour les paupières. Ensuite,
Alors, il y en a qui mettent le concealer avant le fond de teint. Fond de teint, soit je vais les crèmes, je crois que c'est les crèmes. Alors, avec ceci, c'est tellement épais que si je mets l'anti-cerne après, ça posera pas de soucis. Mais si j'avais mis un fond de teint fluide, il aurait fallu que je mette l'anti-cerne et puis le fond de teint. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'anti-cerne a une texture plus épaisse que le fond de teint fluide. Et donc, en mettant par-dessus l'anti-cerne, vous allez le travailler et il va tout simplement faire bouger le fond de teint. Donc voilà pour la petite explication. Le fond de teint slash bébé crème, pour le coup, c'est de chez Algology. C'est Soleil Marin, donc la bébé crème correctrice. Donc voilà. Elle est comme ceci. J'utilise un pinceau plat pour ça. Et moi, je tapote. Voilà pour que j'ai quand même de la matière. Et donc, j'ai pas trop de traces. Mais vous allez voir qu'après, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Enfin, un petit blender, c'est une éponge chichi, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à dire petit blender. Il y en a un petit peu trop là, Sophie. C'est pas grave, ça fera de la matière. Et on descend bien pour pas qu'on ait une démarcation of course. Bon ben voilà, j'ai mis ma bébé crème. Je viens prendre le côté de mon éponge et je viens tout simplement estomper de tout. Hop. Voilà, on estompe, on estompe, on estompe. Voilà, on a estompé. Ensuite, je viens prendre un anti-cerne. Oh, il a perdu son bijou. C'est le multitask qui est bien au bout de sa vie, étant donné qu'on ne voit absolument plus rien. Et donc, c'est quasiment vide. Donc, je viens déjà les mettre. Hop. Le mettre là. Je viens utiliser le côté pointu de mon éponge. On garde en haut. Et on vient estomper en partant de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse, sinon on risque de creuser les cernes. Voilà. Alors, j'ai pas pris la meilleure des teintes. Pour l'anecdote, j'étais en magasin et j'étais pressée parce qu'il me fallait du maquillage, mais que j'allais rater mon train, donc j'ai dû me dépêcher. Sachant que je l'ai acheté chez Creumat. Et qu'il était quand même un bon 5 minutes de la guerre. Sans les feux rouges. Hop. Donc j'ai fait vite et j'en suis évidemment tombée teinte. Elle est beaucoup plus foncée. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors moi ce que je fais, peu importe, je fais tout pas. Moi je le fais. Déjà, je vais mettre ça là. Un petit peu sur le nez. Sur le menton. Pou, 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 pou. Sur les gros boutons. Hop. Je ne sais pas si je mets la matière. Je suis sur le côté. Voilà. J'en ai pas fini avec lui. Si jamais ça c'est la teinte 25 Warm Honey. Sauf que je n'ai pas une peau honey. Donc, ça n'allait pas trop. Évidemment, on vient estomper.
Je reprends mon anti-cerne qui est donc que j'ai mis là. Hop. Ok. Et je viens en fait dessiner. Dessiner mon sourcil tout simplement. Voilà. Donc c'est un sous un format que ce twist si jamais de multitask. Voilà. Et je reprends mon éponge. Je reprends mon éponge et je viens quand même estomper. Alors ça, je fais redescendre un petit peu. Pour que je vienne déjà couvrir un maximum de la paupière. Et je vais estomper la peau dessus en remontant. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai utilisé le bronzer, enfin le bronzer en tout cas. C'est celui de chez Shiglam et c'est. Et c'est la teinte Golden Sun. Je sais pas si vous verrez. Hop. Voilà. Donc, je viens mettre un petit peu sur le front pour créer. Voilà. Pour mettre un petit peu de couleur et réchauffer le teint. Et ça, je viens estomper au Beauty Blender. Pardon, à l'éponge, pardon. C'est pas un Beauty Blender, Sophie, c'est une éponge. Puisque nous n'avons pas les moyens de nous payer des Beauty Blender. Voilà. Et ensuite, je viens faire. Hop. Voilà. Je ne fais pas la ligne en dessous puisque j'ai constaté que ça ne changeait pas grand chose au jeu de la face. Voilà. Je vais ainsi faire les traits de mon nez. Chose, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est comme vide. Okay. C'est que c'est mort, on a des petits bugs. Voilà. Ensuite, je vais remettre une brume fixatrice. Vous allez voir que j'en mets à plusieurs étapes. C'est le Fix Stay Over de chez MAC. Voilà. Pendant ce temps-là, je viens prendre mon crayon à sourcils. C'est le Browlies de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je prends la mine en premier lieu. Hop. Voilà, pour cette partie-ci. Je prends ensuite le roupillon qui est de l'autre côté du crayon. Et je viens les refixer. Hop.
Je ne vois absolument rien. C'est magnifique, hein. Waouh. Voilà pour ça. Ensuite, je prends mon Brow Lifting Gel Set Extreme Hold, qui est transparent, of course. Donc, quand vous ouvrez, il se présente comme ceci. Vous avez le petit roupillon. Vous enlevez l'espèce d'opercule. Et vous avez des gels qui se trouvent là-dedans. Évidemment, il est transparent, donc vous ne le voyez pas. Mais c'est pas grave. Et je vais en prendre deux gels. On verra après le résultat. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je prends ma poudre. Alors, tout ça est dans des verres. Ils se sont éclatés. Je mets ça en des verres. On a la poudre, c'est la Compact Powder de chez Essence. Je ne sais pas trop si j'ai encore ici. Apparemment. Non, c'est pas grave. Donc, c'est la Compact Powder de chez Essence. Et je vais utiliser ce pinceau cils qui vient de chez Shein. On est d'accord que c'est un vidéo d'une marque très connue, mais c'est pas très grave. N'est-ce pas? Évidemment, j'ai oublié de poudrer mon anti-cerne. C'est pas grave. D'habitude, je vais faire la pète. Pendant que je fais le reste. Mais là, je ne sais pas si ça m'est arrivé. J'avais oublié. Mais bon. Pas très grave tout ça. Et en fait, je l'ai acheté aussi au Creval de Namur, cette poudre. Et à chaque fois que j'achète cette poudre Creval de Namur, bah, j'ai la boîte qui se casse en mille morceaux. Donc elle est restée ouverte. Et elle s'est bien butée la gueule. Voilà. Ensuite, je mets avec ce pinceau. Pas ce pinceau-ci. Non. Ce pinceau aussi, un pinceau assez biseauté. Je l'avais acheté chez Stokomani, je pense. C'est un kit. Et celui-là, le bleu, j'ai le bois. C'est un de chez Creuvat, c'est le Velvet Glow de chez Creuvat. Et c'est la teinte Pink Rose. Donc voilà. On met un petit peu de couleur dans sa vie. Voilà. J'ai la dalle, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Alors moi, je remonte bien pour faire une apparence d'un visage lifté. Voilà, vous voyez. Hop, j'ai mis des couleurs. J'en mets toujours un petit peu sur mon nez. Le bout du nez, voilà. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-ci, il vient de chez Shein, et je viens mettre l'highlighter. Alors, je viens prendre cette teinte-ci. C'était une palette qui se vendait chez Action. C'était la marque de chez Meki. Vous voyez encore à l'arrière, là. J'ai perdu le couvercle. Ils sont tous pétés. Voilà. Et comme je l'ai fait tomber, j'ai perdu la moitié de mes fards. Évidemment, Sophie, quand on est doué. Ah, on est à la compagnie d'un petit chat. Je viens faire aussi un petit peu l'arc de Cupidon. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma palette pour les yeux. Je ne montre que le couvercle, évidemment. C'est de la marque C'est tout moi qui s'achète. Avant, ça s'achetait chez Trafic. Et j'ai vu que maintenant, ça s'achetait aussi chez Extra. Je ne sais pas si vous avez des magasins Extra en France. Déjà, il n'y en a pas partout en Belgique. Je sais qu'il y en a un à Auvelais.
Il y en a un à Marche et nous on en a un à Bertry. Donc voilà. Alors je suis en noir et vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par du vert. Je viens commencer par mettre une petite teinte de transition. Voilà, je reprends cette même teinte. Ensuite, on va prendre la teinte, une teinte un petit peu plus foncée. Voilà. Donc j'ai utilisé cette première teinte après la teinte de transition et j'ai utilisé celle-ci que je viens de venir mettre en première partie. Voilà. Que c'est une palette qui est plutôt bien pigmentée. Ensuite, je vais prendre ma petite teinte noire pour venir intensifier le creux externe. Enfin, le coin externe, pas le creux externe. Et je remonte toujours comme j'ai la paupière qui a tendance à être une paupière tombante. Et je vais prendre la teinte de vert la plus foncée. Je vais vraiment travailler le creux. Ça donne un petit minange que j'aime beaucoup. Voilà, je viens prendre ce vert-ci et je vais venir faire hop. Voilà. Voilà. Alors pour les yeux, j'en ai presque terminé. Il me reste juste le mascara et puis on a fini. Je prends ma pince pour mes cils. Et je viens me couper les cils. Attention de ne pas aller trop loin pour ne pas couper votre paupière. Et on prend le mascara, moi c'est le I Love Extreme de chez Essence. C'est un mascara que j'apprécie ma foi beaucoup. Laisse tomber les piles. Je vais arrêter mes bêtises. Avant d'être, je sais pas comment on dit, stalker, striker. Je sais pas comment on dit. Ça donne déjà un petit quelque chose. Et moi, je le mets en deux couches ou trois couches.
J'ai l'impression d'avoir un petit cheveu dans l'œil. C'est pas grave. Ensuite, on vient s'occuper des lèvres. Alors, comme j'ai fait un maquillage des yeux chargés, je viens juste mettre un petit rouge à lèvres. C'est la gamme Hydrating Nude de chez Essence et c'est la teinte 305 Divine. Donc voilà, c'est aussi rouge. Voilà. J'aime bien les gammes hydratantes. Merde. Ouais. Hop. Et je viens juste redonner un petit coup de mascara. J'avais dit, hein, je mettais en deux ou trois couches et tout. Le problème chez moi, c'est que j'ai des longs cils, comme vous pouvez voir. Mais il y a un gros problème avec mes cils, c'est que... ils sont tout plats! Donc voilà, j'ai terminé mon make-up. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé mon make-up ou pas. Vous avez le droit de pas aimer, hein. On n'est pas obligé de tout aimer dans la vie. Donc voilà, je vous laisse, je vais filmer ma vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, bisous. Donc, j'ai fini le tournage de ma vidéo. J'ai pris les photos de tout ce qu'il me fallait. Putain, mon maquillage, ça va pas en fait de près. C'est pas grave. Donc, j'ai pris tout ça en photo. Comme ça, je vais pouvoir faire le montage. Ça m'étonnerait que ce soit en ligne aujourd'hui. À mon avis, ce sera plus en ligne demain puisqu'il est déjà quasiment 13h. Donc voilà, là je suis en train de faire un petit peu mon petit nettoyage, ma vaisselle, etc, etc. J'aurai au moins ma cuisine de nettoyer. Après je m'attaque au living. Donc voilà. Alors pour la petite info, ceux qui ne savent pas, j'utilise la méthode comment ça s'appelle cette méthode là, Podomero je pense, ou un truc, Pomedoro. Je vous le mettrai là quelque part. De comment ça s'appelle, vous voyez mes vernis. de comment ça s'appelle, donc voilà. Et donc voilà, en fait le principe consiste à se concentrer sur une tâche. Je pense que c'est plus fait pour les étudiants en fait, hein, mais en tout cas ça permet de se concentrer exclusivement sur une tâche pendant 25 minutes, puis vous avez 5 minutes de pause, vous faites ce que vous voulez de votre vie. 25 minutes, 5 minutes de pause, donc ça... 3 fois. Donc au final, vous aurez fait 4 fois concentration 25 minutes. Et puis après, vous avez une pause de 10 ou 15 minutes. Je sais plus, ça dépend. Je sais que vous pouvez modifier vous-même les temps de pause si vous voulez plus long ou plus court. Je pense. Enfin, ça dépend des applications, évidemment. Il y a pas mal d'applications. Hein. Moi, ça s'appelle vraiment Podomero ou To Do Focus ou un truc comme ça. En tout cas, je vous mettrai le nom de l'application aussi. Quoi, oui, j'ai fait les photos, j'ai filmé et tout, j'ai plus que le montage à faire et la barre d'information, évidemment, c'est le plus long. Pourquoi? Parce que je vais devoir aller rechercher les liens des produits. Je mets pas les prix puisque en fait c'est des doses voyage, donc je vais pas commencer à calculer au millilitre près. Donc ça je ne fais pas, je vous laisserai aller le faire. Je vous mets les liens de toute façon de tout ce qui est la box Blissim. Je vais chercher directement les produits sur le site de Blissim. Et pour l'autre box, je n'aurai pas les liens sur My Little Box. Donc, je mets sur internet le nom du produit. C'est assez simple à retrouver. Donc, voilà, il y a juste le produit, un produit où je mettrai le lien de Blissim. À mon avis, ce sera le plus simple encore que j'aurai à faire. Donc, voilà. Là, je vais continuer mon ménage. Alors, je ne vous prends pas avec tout simplement parce que je suis en train de faire charger la batterie pendant ce temps-là. Donc, voilà. Et puis sinon vous entendez un gros ding
Dring, dring. Enfin, une sonnerie en tout cas, je ne sais pas limiter, c'est pas grave. Donc voilà, je suis assez contente, ça commence à prendre forme. J'ai vu que mon premier vlog fait déjà des vues, donc je suis assez contente de moi. Donc voilà. Et du coup, je dois retrier pour voir combien d'articles j'ai pour le calendrier de l'Avent, sachant qu'il m'en faut 24 et je pense que je suis à peine à la moitié, donc on va voir. Je vais d'abord faire le ménage, sinon monsieur va râler. De toute façon, monsieur va à la pêche tantôt, je vous l'ai déjà dit, et je m'occuperai du montage vidéo à ce moment-là, je pense. J'ai pas de voix off à faire cette fois-ci, donc c'est très bien. Parce que moi je regarde des vidéos qui n'ont pas de signification, enfin que je peux suivre sans devoir les regarder pendant que je fais le montage, donc voilà, que je me concentre plus sur mon montage que sur autre chose, mais c'est pas grave, il faut qu'aussi que je fasse le montage des premiers rushs du vlog pour ne pas avoir la galère que j'ai eu hier. Je finis le montage de mon vlog, donc il fait 1h30, donc il prend du temps à s'importer ou s'exporter. Enfin, de mon logiciel à mon téléphone. Et quand j'arrive à 100%, ils me disent que ça n'a pas été. Du coup, j'ai dû le mettre en résolution 400, je sais plus combien, sauf que je le voulais en 1000 dés. Non, j'avais en 1000 dés, ça n'allait pas. Il me dit, je vais le mettre en 700 dés, hein, c'est pas grave. En 700 dés, ça n'allait pas non plus, donc j'ai dû le mettre en 400 dés. Donc la qualité est pas fifou, mais voilà. Donc je suis vraiment désolée. Je vais essayer de le mettre en plus haute qualité. Je pense que si je fais le montage, ça me prendra moins de temps. Et du coup, les rushs que j'aurais utilisés pour les montages, je pourrais les supprimer, ceux que j'aurais déjà montés. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Mais je me comprends. Donc voilà. Donc voilà, je vais continuer mon ménage et je vous reprends juste après. Donc voilà. Bon, ben là, donc je suis en train de nettoyer. J'ai fait la première litière. Ça m'a dégoûtée, mais à mort. C'est un truc qui me dégoûte. Mais bon, il faut le faire parce que sinon, après, c'est juste une horreur. Donc il me restera, oula, il me restera l'autre litière à faire. Je vous mets tout, je vous mets là. J'ai mon bordel, peut-être. Pas, c'est pas. Vous avez vu mon. Non, non, vous avez rien du tout. Je suis en train de faire un petit peu mon nettoyage et tout. Je suis contente. Et alors, tellement c'est bien rangé, ça fait genre. Bien rangé. Je vais tout retirer de là, mais je vais remettre des trucs évidemment. Voilà.
C'est-à-dire qu'il ne trouve rien de mieux à faire que de se coucher dans sa litière. C'est assez, pas effrayant, mais c'est assez perturbant. Pourquoi il se couche dans sa litière? I don't know. Mais ce serait intéressant de savoir, Harvey. Sur Internet, ils disent que c'est pour les odeurs. Comme si un autre chat qui n'habite pas ici allait venir ici. Non. Donc voilà, je comprends pas trop, c'est pas grave. Donc je continue mon nettoyage, je fais les litières toutes propres. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Instagram. Je vous la remettrai, je vous remettrai une photo là de mon chat dans la litière. C'est assez comique. Donc voilà, il est passé 6h30. Je n'ai toujours pas rentré. Quand va-t-il rentrer? I don't know. Donc voilà, je suis en train de faire mon rangement et mon nettoyage. Et voilà, j'ai presque fini les poussières des meubles. Il me reste la petite table, débarrasser un peu le fauteuil. Et j'aurai fini. Et les appuis de fenêtre, pardon, j'ai oublié. Et après, j'aurai fini les poussières, donc je pourrai donner mon coup de balai. Enfin, ranger par terre, donner mon coup de balai. Et puis donner mon coup de bloc. Voilà. Le link, c'est la pièce qui me prend le plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est la pièce en vue le plus. Et bien bon. Et donc voilà. Quand on a un mec bordélique, c'est comme ça. Après, nous, on trouve plus la motivation de ranger et ça envahit, ça envahit. Et basta. Donc voilà, tout. Donc j'ai fait les litières. Il faut vraiment que je la fasse tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais que j'enlève en tout cas les déchets tous les jours. Mais le problème, c'est que je n'ai pas tous les jours le temps de faire ça. Il faut savoir que monsieur, vous l'aurez peut-être suivi dans mon truc de ménage et dans ma colère. Un jour, je lui ai demandé de faire la litière, il m'a dit oui, je vais la faire. Alors pour monsieur, faire une litière, c'est juste rajouter de la litière dans la litière sale. Du coup, bah, j'ai dû la faire. Heureusement, ils ne sont pas restés longtemps comme ça, mais bon. Donc voilà, aujourd'hui, on va manger un truc chinois, là, des nouilles, je pense que c'est ça qu'on va manger. Et si on n'a pas assez, on mangera aussi des crêpes au jambon fromage comme on a mangé hier. Du coup, c'est que du réchauffage, donc ça va vite, fort heureusement. Donc voilà, cette litière m'a tuée. Déjà, elle m'a débouché les sinus. Hein. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse là, je vais continuer mon ménage. Et je reprendrai soit tout à l'heure, soit demain. Donc voilà. Bisous, à tantôt ou à demain. Bon ben, on se retrouve maintenant, il est 20h45 plus ou moins, et je vais faire ma night routine du visage, ma night skincare, ou peu importe comment vous l'appelez. Donc il n'y a pas grand chose par rapport au matin qui change, juste en deux produits, mais voilà. Donc, je nettoie toujours mon visage avec le gel nettoyant de la gamme hydro-végétale de chez Brancher. Ça va venir me... Ah non, pardon, je vous dis, je me suis maquillée. Donc, je vais en prendre.
autant que je sépare en deux, j'ai utilisé mon démaquillant, donc c'est le Remove Like a Boss de chez Essence. Je le trouve bien puisque évidemment il est biphasé. Hop, et je viens imbiber mon coton de démaquillant. Tout ce qui va être le teint, donc avec le gel nettoyant de la gamme, comme je vous l'ai dit, Hydra Végétal de chez Roger. Je trouve que c'est un bon nettoyant. De nuit détoxifiante pour le visage, donc voilà, c'est de chez Paille, je sais pas trop comment on dit, et je viens prendre de l'huile. Évidemment il y en a pas du tout, ce que je vais venir faire c'est de mettre comme ça, voilà, comme il y en a plus beaucoup, je vais reprendre comme ça, donc j'ai appliqué bien sur tout le visage. N'hésitez pas à la mettre là. Le but c'est pas qu'elle rentre directement dans la peau. Le but c'est en fait. Ça je fais vraiment qu'au soir du coup, c'est pour le soir. Je viens faire un massage avec ma pierre de mon quartz, oui. Un peu vert. De vert, je pense, qui vient de chez Nose. Des fois vous trouvez un peu tout chez Nose. Ben moi je suis belge, mais j'ai de la chance d'habiter pas très loin de la France, donc je viens squatter la France pour faire mes courses des fois, et en tout cas pour aller chez Nose, vu qu'il n'y a pas de Nose en Belgique. En tout cas, je ne pense pas. Je fais 3 fois chaque mouvement. Vous voyez que je suis un peu rouge parce que j'ai tendance à vite faire des réactions, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais remettre mon contour des yeux. Donc, c'est le même que ce matin. Donc, voilà. J'ai pas besoin de protection solaire, évidemment, à nuit. Mais je mets quand même celui-là. Puisque je n'en utilise pas deux différents. Voilà. Hop. Chatouille. Hop. Arrêt du lion. Les arcanes. De l'intérieur vers l'extérieur, et je viens bien sur les pattes doigts également, en remontant, of course. Voilà. Ensuite, je vais mettre le sérum, donc c'est même que ce matin, toujours celui de chez Aromazone, donc le sérum acide hyaluronique. Je mets une tronche, je vais prendre une tronche, j'ai assez. Tout simplement sur tout le visage. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma crème, donc toujours la crème première jeunesse de chez Marie-Corps. Donc, la petite spatule, parce que je mets mes doigts dans les peaux, ça me
Ça me dégoûte un peu, je vais avouer. J'ai pas besoin d'en prendre une quantité énorme avec ça. J'ai assez pour tout le visage, évidemment. Je descends bien dans le cou. Et je viens bien frotter. Enfin, frotter. Faire des petits mouvements pour bien qu'elle s'imprègne dans la peau. Alors, contrairement à ce matin, je ne vais pas mettre de crème solaire vu que je ne serai pas trop exposée au soleil pendant la nuit, évidemment. Voilà. Hop. Je mets mon lip scrub de chez La Bello. Ça permet d'avoir des lèvres bien hydratées sans les peaux mortes. Voilà, et je vais mettre mes mains et je me rends compte que j'ai pas mis ma lotion clarifiante, mais c'est pas très grave. J'ai mieux ne pas la mettre. C'est pas très grave si je l'oublie. Du moins, je n'oublie pas de mettre mes crèmes et tout ça. Donc voilà. Donc je viens retourner mes manches. Et en dessous, c'est pas évident. Oula, j'ai mis trop de crème. Là, pour mettre la crème sur les mains, moi je redescends un petit peu sur les poignets. Voilà. Et voilà, c'est tout pour la routine du soir. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Je vais aller dormir. Hein. Je vous ai dit que je reprendrai peut-être. Je vous ai repris. Donc là, je vais aller dormir parce que je me lève tôt. Demain, je me lève vers 4h30, hein, comme d'habitude. Pour monsieur. C'est le dernier jour de monsieur. Donc, samedi, je vais pouvoir dormir un petit peu plus tard. Je suis trop happy. Tout ça, d'ailleurs. Donc voilà, je vous prendrai demain. Passerai la journée ensemble de nouveau. Et voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait mon gros soin lundi. Oui. Donc je n'ai pas besoin de faire demain, je ferai lundi. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors demain, on a un ami qui vient manger. Donc il faut que je fasse ma sauce bolo. Donc voilà. Et c'est tout, faut que j'aille au magasin pour aller chercher quelques petites loupières pour monsieur et son ami. Et que j'aille chercher en boucherie de lâcher. Je crois que je vais prendre 400 grammes, j'espère que ça va pas me revenir trop cher. Enfin bref, on verra bien. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, mais je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, parce que quand vous le reverrez, il ne sera pas la nuit. Mais voilà. On se retrouve demain. Bisous. Coucou tout le monde. Oula, ça ne va pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On voit juste un petit. Oh, ça, c'est la mer. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Je pense qu'on est le 15. Il est 5h45. Oui, je me lève tôt, évidemment. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire le montage comme je vous ai dit hier. Donc je vais faire le montage vidéo de la vidéo de la chaîne principale que vous retrouverez en barre d'informations. Hein. Je vous mets toujours le lien. Donc voilà. Ensuite, je dois aussi je dois aussi faire quoi? Ben, du coup, je dois aussi faire la vignette et voilà. J'ai pris les photos, j'ai rangé les produits que j'ai toujours pas rangés. Alors, j'ai passé une nuit assez étrange. Voilà.
Donc j'ai été dormir assez tôt, hein. J'ai été dormir, il devait être 20h50, 55. J'ai lu un petit peu de mon livre et puis je me suis endormie. Monsieur est venu me rejoindre un petit peu après, je pense, parce que je ne l'ai même pas entendu. J'aurais cru qu'il allait monter les appareils que j'avais mis sur les escaliers et qu'il fallait les monter, mais il ne l'a pas fait, donc je le ferai tout à l'heure. Et je me suis réveillée à 1h28 du matin. Plus moyen de dormir jusqu'à 3h30 à peu près. Et mon réveil sonnait à 4h20 pour réveiller monsieur, pour faire sa mallette, son café, etc. etc. Je pense qu'il était content de sa mallette, enfin bref. Et voilà, alors aujourd'hui, bah, du coup, le montage de la vidéo, je dois poster la vidéo avant 14h, donc il faut qu'elle soit postée, donc il faut que je prenne de l'avance, on ne sait jamais, qu'il y ait de nouveau des soucis. Ensuite, je dois continuer mon ménage, je dois faire ma sauce bolo et je dois aller à la boucherie chercher, donc comme je vous avais dit hier, 400 grammes de d'hachée pour faire ma bolo. Donc voilà, j'irai sûrement au matin, je ne sais pas encore à quelle boucherie je vais, je verrai bien. Donc voilà. Monsieur avait pêché une truite, il l'a mis dans l'évier, il a oublié de la vider, donc elle était morte. Et elle était plus bonne, donc voilà. Il a dû la jeter. Excusez-moi. J'ai vraiment un problème, j'ai la gorge. Excusez-moi. J'ai la gorge toute sèche. Voilà. Et tant que je serai dans mes montages, je commencerai à monter les rushs du vlog. Parce que je devais déjà le faire hier, mais je ne l'ai pas fait. Puisque j'ai d'autres choses à faire. Donc, voilà. Tout à l'heure, on va à Brest et à Bohan. Alors, on va à Brest pour payer le permis de monsieur. Et on va à Bohan pour faire quelques courses. Comme je vous avais dit, hein. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Donc voilà, je reprendrai tout à l'heure. Bisous. Je ne sais plus où j'en étais arrivée, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai fait du coup mon budget, enfin nos deux budgets. J'ai monté ma vidéo sur les box Blissim et My Little Box qui seront tantôt sur ma chaîne principale que vous. Enfin, j'arrête de le dire, mais que vous trouverez en barre d'informations de toute façon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil vu que je vous annonce qu'il y aura deux surprises pour vous. Une de la part de l'Eaufresh et une de la part du Palais d'été, d'ailleurs. Voilà. Donc, pour ceux qui sont amateurs de thé et ceux qui ont envie de faire des repas en toute facilité et assez rapide. Voilà, moi je n'utilise pas HelloFresh, donc je vous en fais profiter, pardon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc j'ai fait ça, il me restera plus que la barre d'information à faire et la miniature, et puis importer la vidéo, bien sûr. Je voulais savoir si vous savez, est-ce que si j'achète un iPad, est-ce que je peux juste connecter un clavier, un bête clavier avec le Bluetooth? Parce que j'ai pas trop envie de débourser 450 balles dans un clavier Apple. Donc, enfin, qui va sur les tablettes. Donc voilà, sans savoir si ils vont sur toutes les tablettes ou pas. Donc voilà. Donc je vais continuer mon nettoyage. J'ai fait ma skincare, enfin ma mini skincare du matin. Et je voulais pas montrer tout simplement parce que c'était la même qu'hier. Et il n'y a aucun produit qui a changé, évidemment. Je vous en refais, je la refais avec vous quand un produit a changé. Ici, il n'y a pas de produit qui change et je pense qu'il n'y en aura pas qui changera. Donc voilà. Il faut que je range aussi mes produits. Donc je vais commencer par faire la vaisselle, continuer à nettoyer mon living. Et après, je regarderai. Évidemment, je regarderai à l'heure pour poster la vidéo. Normalement, en fait, comme je mes barres d'infos, je les mets toujours dans mes notes. Donc j'ai juste quelques trucs à changer, donc ça va relativement vite. Ce qui est vraiment la base, je le laisse toujours style mes réseaux, mon mail, machin, bazar. Donc j'aurai juste, voilà, le plus long qui va être à faire dans
comment ça s'appelle, dans la barre d'infos, excusez-moi, on voit mon gros doigt, dans la barre d'infos, ça va être trouver les liens de tous les produits. Fort heureusement, il n'y en a que 8. Je ne sais pas si l'été, je vais vraiment les mettre. Au pire, je vous mettrai le lien du site internet pour les deux infusions. Comme ça, bah, vous l'aurez directement pour ceux qui veulent profiter du cadeau qu'il y aura, en tout cas. Donc, voilà. Je dois aussi commencer à monter le début du vlog. Voilà. Donc, voilà. On est déjà vendredi. J'arrive pas à le croire. Donc, j'ai plus que samedi, dimanche, lundi, mardi. Plus que 4 jours à vlogger. Sachant qu'à mon avis, dimanche, je vloggerai pas. Ou alors, au soir, quand je rentrerai, ça dépend. Je vlogue jamais, en fait, quand monsieur est là. Ou en tout cas, quasi jamais. Parce que voilà, en fait. Donc voilà, demain on va à Libramont chez Proximus parce que je quitte Scarlett puisque c'est des gros arnaqueurs. Ils ont une connexion internet pourrie, donc j'ai plus envie d'aller chez Scarlett et je trouve qu'on paye quand même une blinde pour rien. Donc voilà, je reçois un message de mon syndicat, donc c'est mon syndicat qui paye mon chômage. Puisque j'ai du chômage temporaire, évidemment. Chômage économique, pardon. Et en fait, monsieur m'avait tellement pressé que j'ai oublié de signer le papier. Donc, je dois y aller, sauf que je dois compter sur monsieur. Et le problème, c'est que monsieur termine tard. Donc, voilà. Donc, à moins que j'ai de la chance et qu'il ait des heures à récupérer, ce qui m'étonnerait. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, voilà. Enfin bref, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais c'est pas grave. On verra bien. Ça, c'est vraiment la bêtise, même d'oublier de signer son papier. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je vais continuer ma petite vie. Mais du coup, est-ce que je fais d'abord mon ménage ou est-ce que je mets d'abord la vidéo? Je vais d'abord mettre la vidéo. Je vais d'abord faire la truc pour la vidéo. Et puis, nous verrons bien. Donc, voilà, je vous laisse là. Et je vous reprends tantôt quand je ferai un petit peu mon nettoyage. Je vous prends. Je suis en train de faire ma vaisselle. J'ai une amie en ligne. Je ne sais même plus si j'ai été chercher de la chez. En tout cas, il était... Je ne sais pas s'il était cher, en fait, ou pas. À peu près 9 euros du kilo. Donc voilà. Donc là je fais ma petite vaisselle. Je vais retourner un coup ici aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, il faut que je donne un coup. Et j'ai un lave-vaisselle, hein. Je pourrais mettre dans la vaisselle, mais les choses ne marchent pas. Donc je fais la vaisselle à la main, ça va d'autant plus vite. Quoi, je vais prendre une poêle et je vais les cuire et puis je les mettrai dans la bolo. Voilà, j'ai à peu près 600 grammes là-dedans et 400 là-dedans. Donc voilà, je vais déjà prendre la poêle. Verser un kilo de Paris surgelé dans la poêle, faire cuire 9 minutes. 500 grammes, 6 minutes. Donc, de toute façon, maintenant que ça cuit, on s'en fout. Donc, je prends une mini poêle. Hop, hop, hop. Je verse.
Le champignon de donc déjà, il faut que tu colles ensemble, hein, ça va être magnifique. Je ne sais pas si je n'ai pas très très bien. Je prends une autre casserole pour cuire la chèvre. Alors moi, il y a plusieurs techniques pour cuire la chèvre. Déjà, je vous oublie. Vous mettez la chèvre dedans. Pardon. Je vais la chèvre. Alors, comme il est séparé, et moi ce que je fais, c'est soit j'utilise un presse. Ça commence à chauffer et les champignons sont en train de commencer à dégeler. Donc voilà, peu importe. Voilà, bah je vais faire mon boulot et je vous reprendrai une fois qu'elle sera faite et je vous montrerai. Si vous voulez, je vous dirai comment j'ai fait ma boulot après. Parce que sinon, ça va prendre une éternité le temps que ma casserole chauffe et tout ça. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 16. Donc 16 mars, il est 9h je pense. Donc je viens de me lever. Alors... pour le outfit, je vous le ferai après. C'est une blouse qui vient de chez Taco et un pantalon qui vient de Plus Size Up. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Je vais faire mes cheveux, je vais mettre un petit peu de shampoing sec et les brosser. Et voilà. Et puis je vais faire ma routine. Et puis on va aller à la commune chercher la carte d'identité de monsieur. Il faut que je retrouve ses codes d'ailleurs. Et du coup après on va voir pour Proximus et Orange. Donc voilà. Alors pour le... Comment ça s'appelle ?
Le shampoing sec, c'est celui-là. Je crois qu'il vient du Cruat. Je sais plus. Un petit temps que j'en ai, donc je sais plus trop. Mais voilà. Donc voilà, on a fait une petite soirée hier. Et tout s'est bien passé. Donc on a fait une petite soirée hier, tout s'est bien passé. On a mangé un spaghetti, tout le monde a aimé la sauce que j'avais faite. Ah oui, je ne vous ai pas repris quand j'ai fini la sauce, mais j'étais prise dans mon nettoyage et tout, donc voilà. Moi, en gros, je fais cuire des champignons dans une poêle, parce que si vous voulez absolument des champignons. Je lâchais dans la casserole et puis j'ai mis les tomates, machin, des épices. J'ai laissé mijoter et voilà. Je pense que plus longtemps vous laissez mijoter, mieux c'est. Après, on n'avait plus qu'à réchauffer et cuire les. Cuire les pâtes. Voilà, on a fait un petit apéro, mais on n'a pas mangé le dessert. Donc j'ai pas un dessert pour rien, quoi. Donc voilà, super. Donc voilà, enfin, soit je vais faire mes cheveux, ma routine. Je vais peut-être me maquiller un petit peu. Et puis, voilà. De toute façon, en fait, je vous reprends jamais quand je refais les routines et tout, parce que rien n'a changé dans ma routine. J'utilise les mêmes produits. Quand je vous reprends, quand je fais la routine, c'est vraiment que j'ai changé un produit. Donc voilà, ici, j'ai rien changé. Donc voilà, tout simplement. Voilà, pourquoi je viens de vous reprendre. J'ai perdu un ongle. Donc voilà, je pense que quand on est dans l'eau, comme ça, autant, la pose américaine, ça ne va pas. Mais voilà, enfin bref. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai plus tard. Voilà. Ben, pour l'outfit, donc la blouse Gisèle vient de chez Taco et le pantalon de chez Size Up et les chaussures, hop. Pas si vous les verrez. Attendez, parce que j'ai pas d'équilibre. Voilà. C'est des Adidas et il faut que je les change. Évidemment, il va falloir que je m'en rachète des autres, mais bon, moi. À mon avis, j'ai acheté des chaussures sur Chine ou quoi. Donc voilà. Oui, donc voilà. Donc je vais me préparer. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ah bah oui, j'ai un problème avec les lampes. Voilà, ça fait. Non, je vais éteindre. Hop. Je vais allumer celle-là, voilà. Je vais devoir revérifier mes connexions de lampe parce que en fait c'était deux lampes connectées qui ont bugué donc voilà j'ai très mal au poignet, je ne sais pas ce que j'ai très mal au poignet, je ne peux pas le plier plus que ça tandis que l'autre j'arrive à le plier autant, donc je ne sais pas trop ce que j'ai, c'est pas très grave, vous bougez énormément mais c'est pas grave. Sora. Enfin, bref, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été travailler. Je sais même pas si je vous ai pris au matin, mais c'est pas grave. Donc j'ai été travailler. J'ai fini vers 17h15. Et je ne travaille pas. Ça arrive jeudi. Et je travaille jeudi soir, évidemment. Je ne sais plus avec qui, mais c'est pas grave. Mardi, normalement, je vais à Libramont pour aller signer mon papier. Du chômage, donc voilà, j'espère que ça ira. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc je travaille jeudi et dimanche midi, je pense, faut que je revérifie. Donc voilà, c'est pas comme ça que je vais payer mes factures, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, moi j'ai mangé du poulet. Parce que j'avais pas très faim et un bol de soupe. D'ailleurs, je devrais manger un bol de soupe tous les soirs. Et monsieur et son neveu ont mangé des truites. Je ne pouvais plus des truites. La semaine passée, j'en avais déjà mangé deux fois de suite. Alors, de temps en temps, ça passe. Mais pas tout le temps, donc. Voilà!
Donc voilà, là je passe une soirée tranquillou, je vais regarder un petit peu des vidéos et puis j'irai dormir. J'ai commencé à monter mon vlog, le vlog, il fait déjà plus d'une heure. Et genre, je me suis arrêtée à vendredi. Donc ça veut dire qu'il reste encore hier, aujourd'hui, lundi et mardi. Il reste encore 4 jours, le vlog il va durer 2 heures les gars. Oh! D'ailleurs, j'espère que vous me direz en commentaire si vous trouvez ça long ou pas. Mais ouais, il dure 2 heures. Je sais même pas comment ça va prendre, combien de temps ça va me prendre pour l'importer en fait. Ça va me prendre 3 heures. Enfin bref, j'espère que ça ira. Nous verrons bien. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé aussi pour me prendre pour j'ai regardé parce que vous savez, je veux un iPad et j'ai regardé pour le prix. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire. Je sais pas encore si je le prends en payant par mois ou pas. Donc voilà, on verra bien. Jeudi, le gars de la télé vient faire son installation. Donc il va falloir que je bouge la litière évidemment, sinon il va être écœuré le mec. Et voilà. Donc je vais redonner un petit coup parce que ça doit être propre pour jeudi. Je ne sais pas encore à quelle heure il passe. Il passe entre midi et demi et 17 h. Normalement, monsieur sera là de toute façon dans l'après-midi. Donc ça ira. Parce que moi, je vais partir à 17 h 40. Donc il a plutôt intérêt à gérer et à être là. Ouais, je pars vers 40-45. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Donc demain, je ferai un petit peu de vaisselle de nettoyage. Et ben ici, franchement, maintenant que ça a été nettoyé à fond, j'ai plus que de l'entretien à faire, donc ça devrait aller vite. Et je m'attaque à la chambre demain. Je crois que je vais faire ça. Mercredi, de toute façon, je vais filmer et monter la vidéo. Je vais monter, filmer et programmer la vidéo pour qu'elle sorte jeudi après-midi. Enfin, quoi que jeudi après-midi, je suis là, donc. Même si je la monte jeudi matin, mais je vais essayer de la monter jeudi, mercredi après-midi. Comme ça, je la poste pour jeudi. Ah ouais, mais mercredi, il faut que je monte le reste du vlog. Je sais pas encore comment. Je sais pas encore comment je vais faire. C'est vrai que sur ce vlog, je vous parle beaucoup de la chaîne principale. Parce qu'en fait, c'est des vidéos qui me prennent quand même du temps à préparer, à filmer, etc. etc. Et que j'aime bien faire ça, donc voilà. Donc voilà, ben c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais encore faire ma routine du. Je l'ai fait ce matin. Et ben, comme je vous ai dit, hein, je vous filme pas parce que c'est toujours là. C'est toujours. Ben, c'est routine. C'est tous les jours la même chose. Donc je ne vois pas trop quelle utilité ça a pour vous. Une fois que vous l'avez vu une fois. Quand vous l'avez vu une fois, ben, vous n'avez pas besoin de le voir 15 fois. Bah non, dites-moi si. Dites-moi en commentaire. Il soulève la lune. Bref, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous préférez voir ma routine ou pas. Si vous voulez la voir en accéléré. Si vous voulez la voir en temps réel. Ou quoi, qu'est-ce. Et voilà. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve demain matin. Bisous. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas repris depuis dimanche parce que, en fait, le vlog est déjà très long, il fait déjà plus d'une heure et demie. Donc, je vais vous reprendre maintenant. De toute façon, on est mardi, c'est le dernier jour. Hein. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un petit peu reposée pour récupérer de mon week-end. J'ai été faire quelques courses, notamment pour la mallette de monsieur. Il fallait des choses pour le souper puisque je savais comment j'ai du poulet. Mais j'avais pas de compote, j'avais pas de pommes de terre. Et en fait, en faisant un tour au Aldi, j'ai complètement zappé la compote. Donc un ami est venu, rien à voir avec ça, mais un ami est venu, il est venu boire un café et tout et tout. Et il m'a dit, bah, si tu veux, j'ai de la compote. Donc il m'en a ramené bien gentiment. Et moi, je lui ai donné du café qu'on ne buvait pas, qui était au... Je pensais que c'était du café au lait, mais c'était du café au pain d'épices. Et comme nous on n'aime pas la cannelle et tout, ben, on ne le prend pas. Je tiens pas je bois du café, mais c'est pas ma boisson favorite, donc c'est déjà compliqué. Donc voilà, donc hier on a au soir on a mangé du poulet, des sortes de patates rissolées et moi j'ai mangé de la compote avec.
Et monsieur, je sais pas s'il a mangé autre chose avec. J'ai pas mangé grand chose en termes de poulet. Ah, merde. J'étais censée lui mettre du poulet dans sa mallette. Bon, mais j'ai oublié. C'est pas grave, on verra si j'en mettrai. Mon avis, je le mettrai demain. Enfin, pour la mallette de demain. Donc aujourd'hui, je ne vous ai toujours pas dit qu'on était quand même le mardi 18. Il n'est pas loin de 6h30. C'est le dernier jour de vlog, évidemment, aujourd'hui, puisque demain, je suis censée... En fait, demain, je suis censée monter le vlog, mais il est déjà monté. Pourquoi? Parce que j'ai un téléphone qui a 128 Go. J'ai mes applications et les vlogs me prennent énormément de temps, surtout quand ils font quasi 2 heures. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc aujourd'hui, je vais au syndicat signer mon papier. Je pars vers 9h15, je pense que c'est ça qu'on m'a dit. Et voilà, on verra si... J'espère que tout ira bien. Donc voilà, on verra bien. Sinon, ben, j'ai fait un petit peu de ménage hier. J'ai acheté un nouveau seau. D'ailleurs, à mon avis, je vais faire le unboxing sur TikTok. Voilà. Je me suis créé un TikTok en dehors de... Un TikTok personnel plutôt. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai accès à des trucs. En tout cas, je vais vous faire le unboxing du nouveau seau que j'ai acheté. C'était une offre chez Carrefour. Oui, chez Carrefour. C'est la marque. Elle fait une cloche, je sais pas quoi. Non, les fades. Je ne sais pas. En tout cas, vous retrouverez le nom du TikTok et le TikTok du coup. Donc voilà. Donc j'ai un TikTok qui est fait vraiment pour tout ce qui est esthétique. Donc autrement dit, plus côté chaîne principale, et un autre TikTok qui est plus pour mon quotidien. J'ai une vidéo de monsieur, je ne l'ai pas encore mise sur TikTok, je ne sais pas si je peux. Parce qu'il faut quand même que je demande l'autorisation, hein, on va pas se mentir. Il sait que je l'ai filmé, en train de faire l'imbécile, mais il sait pas. Il m'avait déjà dit pour rigoler, oui, mais je vais lui redemander, je vais avoir des soucis. Donc, voilà. Ce sera plus un TikTok pour rigoler à mon avis. Donc voilà. Aujourd'hui, donc je vais faire ça. Je vais faire un truc avec la bolo. Je vais faire lâcher parmentier. Donc lâcher parmentier, c'est une couche de purée, une couche de bolo, une couche de purée, du fromage. Au moins, je saurai quoi faire de mon fromage. Et puis vous mettez au four et vous réchauffez. Et basta, c'est fait. Donc je peux le faire en avance. Comme ça, j'aurai plus qu'à le mettre au four. Donc à mon avis, je le ferai à mon retour. Oui, donc voilà. Donc voilà, je vais peut-être vous reprendre tout à l'heure, je sais pas encore, mais c'est tout. Donc, ouais. Donc c'est tout pour le moment. Ouais. J'ai déjeuné des gaufres au mi-chocolat, mi-gaufres. Des gaufres comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas déjeuné du pain. En fait, de la date, j'ai mangé ça. Et donc voilà. Enfin, soit pour l'heure, là, je vais vous laisser. Et je vais un petit peu me préparer d'ailleurs pour aller là-bas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bisous. De toute façon, je reprendrai au soir, moi. Pour clôturer le vlog, ou alors demain matin, on verra. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, je mets en pause, évidemment. Donc, je vous reprends, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi 20. J'ai été payée du chômage, donc je suis contente. Et j'ai en fait, j'ai réalisé que j'allais dans la merde totale. Ouais. Parce que il n'y a plus de chômage économique le mois prochain. C'est les vacances annuelles, mais elles ne payent qu'en mai-juin. Donc j'aurai pas de salaire quasi. Donc il a intérêt à me faire travailler les deux. Enfin, la semaine.
On verra. Je vais calculer les heures, évidemment, j'aurai un salaire beaucoup moindre, mais on verra. Je vais lui demander qu'il me mette le maximum à déclarer, parce que il me faut un salaire, quoi. Donc voilà. Je vais voir avec mon patron ce que je fais de toute façon. Je vais lui dire, il faut quand même que je paye mes factures, il faut bien s'en rendre compte. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En fait, je vous reprenais juste, pas pour vous raconter tout ça, pour clôturer le vlog. Donc voilà, le vlog s'arrête aujourd'hui. Il reprend jeudi. Donc voilà. Donc il sera posté dans l'après-midi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vlogs et à activer la cloche de notification. Pour n'en rater aucun, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le vlog vous a plu. Donc voilà, si vous voudriez voir d'autres aspects de ma vie dans les vlogs aussi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous! Et vous voyez mon chat? Allez, bisous!